Bonsoir tout le monde. On va commencer ça avec la première combo de peroxyde qui date de plein d'ostinbout. On avait sorti ça avec une caisse claire attachée qu'une boîte de conserve dans le sous-sol chez Ulysse qui est ici à quelque part, qui était le premier bénéfice de peroxyde. Ça vous montre à quel point qu'on vient de loin. Commencez une tourne avec une caisse claire et une boîte de conserve, c'est parce que tu veux en tabarnak. Injecter des affaires dans les yeux comme ça. C'est chic, hein? C'est chic en Christ! Mais il y a encore pire! Ouais! Parce que quand tu veux montrer ce que ça a l'air vraiment, tu prends les humains. Puis un activiste qui a décidé de se prêter au jeu, puis de se faire faire les mêmes tests, puis c'est un humain. Ça donne ça. Puis ça. Ouais, go! Pis ça! Tu chic à votre goût? Non! C'est du boss pour que. C'est juste ça à un moment donné en espérant que ça va se terminer. L'Union européenne va décider, c'était maintenant, interdit de faire des tests pour la cosmétique sur les animaux. Félicitations à eux!
Avec le gouvernement Paul, ça ne se prendra pas dans le mec qui s'est réussi pour tout de suite. On se lance pour les animaux. Il s'appelle Démo. Ben là, j'ai mon billet qu'il faut acheter, il faut consommer, c'est important! Qu'il faut penser comme tout le monde pense! Parce que
que quand t'es pas dans la masse, pis t'es un petit peu à côté, c'est pas bien vu ça là, là. Donc, on a un cerveau. On est capable de penser par nous autres même, par nos propres idées. Petite chanson à l'hommage à cette merveilleuse boîte carrée qui est pour nous brainwasher. T'es évident. De grandir. Oh!
C'est juste comme un faire dans la société, hein. Il y a plein d'affaires qu'il y a autour de nous qui sont comme des espèces de petits mauvais herbes qui nous empêchent de veiller sur la liberté de la vie et de laisser pousser les choses qui sont positives. Ce sera pas long, je vais aller chercher une petite surprise, j'en reviens. Les autres qui disent souvent c'est de la merde, ben c'est pas correct. Il y a des fois j'aurais envie de crisser les poings dans la face sur une personne, mais la violence ça sert à rien. Mais crisser les coups de poing sur un ballon, c'est étudiant à tabarnak. Moi, je commence à vouloir faire une crise cardiaque.
passer des choses. Les étudiants sont levés. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Mais ils sont levés pareil. Mais par là, c'est pas clair que c'est passer des choses bien plates. Parce qu'on vit en démocratie, bien sûr. Mais en démocratie, des fois, ce que ça veut dire aussi, c'est cause toujours. Puis la manière qu'on a de régler les affaires, souvent, c'est de sortir notre bon vieux système de police. Avec ce qui va avec, c'est-à-dire la déontologie policière. Quelqu'un qui dit que la manifestation est terminée, selon eux, la manière de régler ça, ben, c'est un coup de matraque, poivre de Cayenne et lance du gaz lacrymogène. J'ai entendu plusieurs personnes dire ils ont juste à ne pas y aller, comme ça ils vont rien vous arriver. Ben, je m'excuse, mais si on est vraiment dans un pays démocratique, comment ça se fait que tu nous dises que tu peux pas manifester, tu peux pas contredire quoi que t'es pas d'accord, ça marche pas. Donc, cette chanson est un hommage à nos bons amis policiers et leur déontologie canine. Je vais pas t'en foutre, je vais pas t'en foutre, je vais pas t'en foutre.
Elle s'appelait, j'ai bien dit, elle s'appelait Réalité par Singe. Elle s'est suicidée le 14 avril 2013. Ce qui est arrivé à Stéphanie-là, c'était dans un parc avec ses chambres. Quelques des gars qui ont eu la brillante idée de faire un viol collectif. Déjà le viol, c'était déjà hallucinant. Ben Chris, ils ont pas arrêté là. Ils ont passé 2 ans à excuser cette fille-là sur le net. C'est ce qu'elle avait fait. C'est dégueulasse. Là, on va faire des points à soi, ils vont envoyer ça tout de suite à soi. T'es en train de baiser avec une fille. Ça fait 5 minutes que tu baises, c'est super cool. T'as ta carte, ben dis non, c'est assez. T'arrêtes! Yeah! Une relation sexuelle, ça se gagne. C'est pas forcé. Tu peux pas obliger quelqu'un à voir ça. T'as connais pas la fille. T'as bien qu'elle s'est déjà fait le jeu avant. Pis que là, ça vient de te venir dans la tête. Ben le respect, c'est ça. Non! Ça veut dire non! Pis si tu comprends pas ça, c'est parce que t'es un attitude chez ça! Thank you.
Est-ce que c'était clair? Bon, avant de continuer, comme vous allez pouvoir, on est rendu qu'un nouveau drummer et une belle bâtisse. On fait un bel job en crise. Et là, ben, on peut venir le terrain tout de suite. Il nous en reste deux. Parce qu'on appelle un jour de ravage. Voulez-vous nous voir un moment donné? Ouais, ça risque d'arriver parce que... Merci public, c'est une petite belle réponse à soir. La seule affaire, c'est que... J'ai plus 20 ans, hein. C'est dur en tabarnak. La prochaine! Pour les enfants qui ont toujours l'âge, ont malheureusement subi souvent de la violence physique, psychologique et verbale. C'est pas donné à tout le monde d'être parent. Il n'y a pas de livre qui est avec un enfant. Donc, si un jour ma gang de fuckies fait pour des enfants, pis qu'un manu qui est en train de péter la coche pis tu sais plus quoi faire, ben va chercher de l'aide. Parce que il y a du monde qui sont là pour aider les gens des fois. Il y a pas honte d'aller chercher de l'aide. C'est toujours bien mieux d'aller chercher de l'aide que de taper sur ses enfants, tabarnak. C'est une offre pour tous les petits bouts de choux, malheureusement, qui n'ont pas eu une enfance facile. Il y en a sûrement ici de la soirée, c'est certain. Donc, les enfants de la misère. On est rendu à derrière.
ce soir. On est tous pas mal rendus des parents avec des jeunes enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est plus de 15 ans, c'était 4 à 5 pratiques par semaine. Maintenant, c'est une. Bon, ça avance un petit peu moins vite. Ce soir, on a décidé de jouer les tunes qui étaient prêtes à jouer à soir. Parce que pour Peroxyde, faire des points métiers, fuck off. On fait quoi? Quand on est prêt à le faire. Donc, c'est plate, c'est la dernière. Mais merci à vous autres. On s'applaudit, prise de bon public. Et de toute façon, après nous autres, d'ailleurs, j'appuie! Ils vont nous fucker ça, Bernard, comme ça, Ronaldo. Ça va être un petit bon trip. Puis là, ça va être à mon tour de m'amuser. Yeah! La prochaine? Ça parle de pollution. Là, au Canada, c'est bien plate. On a le gouvernement conservateur qui est rentré au Canada. Et Harper est un homme qui aime tellement les humains. C'est incroyable. Ce gars-là, il doit être le soir dans sa chambre en train de se masturber en passant à l'école en canadienne. Et au nom de l'économie canadienne, ce que ça veut dire pour nous autres, on a débarqué de Kyoto. Un protocole qu'on avait signé pour des gens des gaz à effet de serre, mais M. Harper a décidé que c'était pas économiquement viable. Après ça, avec le projet de loi Omnibus, qui a décidé, le cher monsieur, que 99%, je parle pas de 10, là, 99% des lacs et rivières du Canada ne sont plus protégés par les règles environnementales. Ce que ça veut dire, c'est que si une compagnie va aller faire de quoi, la seule chose qu'elle a à faire maintenant, c'est de faire une étude, voir si t'es capable encore de flotter sur l'eau. Mais aucune étude va être faite sur ce que ça va faire sur le système écologique de la place. Ce que ça veut dire, c'est qu'il reste 97 lacs protégés au Canada et 62 rivières. Mais là, surprise, comme Harper s'y vient de faire, sur les 97 lacs qui sont encore protégés, il y en a 87 qui font partie des conscriptions qui ont voté pour ce petit malade-là. Donc, la morale de cette histoire, elle est simple. Votez conservateur, sinon crevez. Fait qui mange la marde? Ce truc-là, elle s'appelle Neige Noire. Thank you.
Michel.